semaine du coup de cette année, je vous propose de vous faire redécouvrir l'intégrale des contes de la rue Broca de la folie Méricourt. Si vous voulez faire de petits plats pour la semaine, du coup, on les regardait. Les deux livres de cuisine des éditions Fernand Nathan. Attends, avec la cuisine merveilleuse amusante dont on peut cuisiner des choses ou dans s'amusant avec de petits personnages comme voyez-vous sur le gradeur. Deux teckels saucisses, une souris en je sais pas quoi et un drôle roi ou en enfin on sait pas quoi mais fait tout en fruits. Et si vous voulez rajouter des épices, c'est pas. Regardez d'abord le livre des herbes et des épices dans la même édition. Dont ils ont été découverts par Marco Polo et Christophe Colomb. Retrouvez également le livre des fromages et fromagers de Normandie, écrit par François Marchkinswitch, dont vous trouverez tous les sortes de fromages de la région de Normandie. Normandie. Et aussi, divers gourmands des anciens magasins champions dont je redouais puisque champion n'existe plus malheureusement. Lorsque je redouais aussi. Aimez-vous les tartes. Un petit bouquet qui vous permet d'apprendre à faire des choses tartes. Le livre du temps des fruits. Les fruits permettent de faire des recettes 100% avec que des fruits. Beaucoup de bruit. Les éditions Flammarion. Bellard Prade avait travaillé aux éditions Flammarion. D'ailleurs, il a écrit ce livre de cuisine familiale qui, justement, vous le trouverez aux éditions Flammarion. Et d'ailleurs, ça a très bien réussi puisque ce bouquin était trouvé par mon arrière-grand-mère. Par une de mes arrière-grand-mères maternelles. Et ça, c'est une autre histoire. Mais ça, vous trouverez du matériel de cuisine vintage de la période de l'ancienne Samaritaine dans le livre d'or du centenaire datant de 1970, qui était pour l'occasion de la décennie 70. 10 à l'époque où la VCR TV a été créée. D'ailleurs, la Samaritaine est actuellement fermée et il ne rouvre ses portes que pour l'allocation des 120 ans de Walt Disney, où il y aura des produits 100% Walt Disney dès l'année 2021.